Ok. Et il le dit en plus le truc, hein, le truc qui est exactement en bas, il dit que les têtes des dragons en gros sont juste faites pour te faire chier, en gros genre les démolir. Voilà. Il y a 5 dépouilles en tant que telles que je dois trouver. Dépouilles, voilà. Blablabla, trouvé. Ah machallah, je l'ai trouvé, les dépouilles. Donc en gros c'est ce qu'on doit chercher, hein. Tête de dragon, je pensais pas qu'il fallait, on pouvait juste les démolir en fonçant dessus en mode oh là là, tout va bien aller, tout est parfait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, finalement je le sais maintenant, donc bon, je suis une personne très heureuse dans la vie. Je me dis, mais pourquoi la vie n'était pas aussi simple que ça, monsieur? Ça je ne sais pas. Mais ça on peut pas les... Ah on peut les démolir comme ça. Oh, oh l'éléphant c'est OP. Non, ok, peut-être pas à ce point là. Peut-être pas à ce point non plus, mais c'est quand même pas si mal. Je sais pas si l'autre on peut quand même le péter la gueule. Alors, je vois un petit peu la distance. Peut-être que. Je pense que peut-être que ça se rend. On va essayer de voir. Parce qu'il y a quand même la dépouille qui est juste un petit peu plus bas qu'ici. Pensez que ça. Non, ça se fait pas. De toute façon, il devrait sûrement avoir rien. C'est dans le vide. Il n'y a plus rien après. Au pire, si je vois qu'il manque des choses, bah, je vais aller voir. Mais sinon. Sinon, bah. C'est pas ça. Clairement pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Non, ici y a rien. Ça non plus, je pense qu'on peut pas péter ça. Ça, si on pète ça comme ça. Est-ce que je peux sauter et faire. What the? Non, je peux pas. Je pensais que si, mais finalement, je peux vraiment pas. Donc là, normalement, ici, c'est sûr et certain que je peux pas péter ça. À moins que. Non, même la puissance du whist ici n'est pas assez fort. Malheureusement. Croyait peut-être à la puissance du Wistiti. Mais finalement, la puissance du Wistiti n'est pas assez tendre non plus. Ah là, là on peut. Là ici, il y a sûrement quelque chose. Badam. Ah. Puissance de la souris. Souris ma gueule. Est-ce que les petits serpents peuvent rentrer? Je pensais qu'elle est rentrée quoi. Là ça m'aurait tellement flippé. Faites flipper pour rien. Est-ce que je vais juste éliminer peut-être tous les serpents pour avoir peut-être quelque chose de spécial? Peut-être non, peut-être qu'ils sont à l'infini. Ça je sais pas, on va... Ok, je pense qu'ils sont à l'infini. Je peux pas rentrer non plus dans le trou pour aller peut-être quelque part d'autre, donc non, y a rien à faire. Y'a pas non plus de... Non, y'a pas de plantes. Donc y'a rien. Perte de temps totale. Mon méchanceté à travers le jeu. Hop. Il va y avoir une autre dépouille. On est rendu à 3 sur 5. Il m'en manque 2. Ça devrait bien aller pour trouver toutes les trucs cachés. Surtout qu'on a toujours trouvé l'ermite. Hein. L'ermite est caché quelque part, mais on sait vraiment pas où. Moi je suis sûr qu'il est caché exactement là-bas, regardez. Ah merci. Non, toujours pas caché ici. J'essaie juste de démolir le boss et je suis incapable. Ça c'est... C'est génial, génial quand même. Non, il y avait rien caché. Avec le petit singe, j'avais les plus rapides. Ça, il y avait une plante, mais il n'y avait pas de dépôt, il n'y avait rien. À quoi? À rien. Ça, on l'avait fait. Donc, normalement, il n'y a rien d'intéressant qui va te cacher de l'autre côté. C'est ça, on l'a fait. Donc, non, ça n'a rien d'y aller. Il reste quand même 2 dépouilles à faire. Je me rappelle, c'est où? Il y en a une là. Est-ce que c'est possible de péter la gueule? Ça. Ah, attendez, peut-être d'ici. Pensez que ça passe? Non, oh, ça passe pas. Ok. Mettre du jeu, ça change pas grand chose non plus. Ok, donc il y a un emplacement ici. Et il y a une plante ici. Pas vraiment une plante, une fleur.
Il m'a manqué une dépouille. J'espère que genre elle est pas. Genre je l'ai passé, genre y'en a un que je peux pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ok. Y'a rien ici. Oh attendez. Non, dis-moi pas que c'est ça. Dis-moi pas que c'est ça. Je te dis, c'est magique si c'est vraiment ça que je vois. Oh, le jeu est magique. Oh, oh, j'ai envie d'avoir un orgasme. C'est tellement beau. C'est le beau jeu. C'est littéralement le beau jeu. Oh, j'en peux plus. Oh, c'est magique. Les connecter genre ensemble. Ah oui, si. Ah oui, si. Ah oui, 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 oui. Ah, je vous dis, c'est... Oh, ce jeu. Oh, c'est... J'ai envie, genre, de tout faire dans la vie. Ok, ça, ça va complètement à droite. Parce que ça, ça se connecte ensemble. Par la suite, je vois avoir un qui est... Lui. Après, ça va être lui. Et après, ça va être lui. Ok, on a compris, on a compris. Donc lui. Il se connecte comme ça. Par la suite, je vois prendre lui. Hop, je suis passé par-dessus. On va prendre lui. Qui traverse ici. Ah, oui monsieur, on traverse comme ça, on colle tous ensemble, tout le monde va être heureux. Et par la suite, il y a celui-là. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. J'adore ce jeu, vraiment, j'adore ce jeu complètement. C'est vraiment trop cool, genre toutes les réflexions qu'on doit faire, et vraiment, genre les développeurs se sont cassés la tête pour faire des trucs. Et vraiment, je vous lève mon chapeau. J'en ai pas, mais je le lève quand même. Hein. Perturbe quasiment genre ce labyrinthe. Même si je comprends un peu vers où je dois aller, par-ci par-ci, la 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 la, ta 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 ti, ta 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 ta. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, oui. Liberté soit-il, on peut quitter ce monde. Ah ouais, toujours pas l'ermite. On trouve une clé. Tout ça pour une clé. Eh, vous êtes pas drôle. J'aime plus le jeu. Le jeu, finalement, je l'aime plus. J'ai plus envie d'y jouer. C'est le gars, genre, super mauvaise foi, genre. Oh là là, j'aime plus le jeu parce que y avait juste une clé. Oh, c'est de la mauvaise foi. Un petit peu trop. Mais bon, l'emplacement super bien placé, vraiment. Je vais pas enlever tout ça. Juste parce que je suis un rageux. Lol. Ok, donc là je dois monter ici et il manque encore une dépouille. Ah ah, elle va être ici. Ici, monsieur. Dépouille, tadapo. Voilà, 5 dépouilles, on va pouvoir aller voir le garde. Il va être heureux. On va le voir direct en plus. Bonjour, monsieur. Tu vas me livrer ces dépouilles pour moi? Ouais, voilà. On lui donne les dépouilles. Après, il va falloir tout en monter de toute façon. Achoum! Ah, il nous a donné... Vous avez obtenu la maladie. On a reçu la maladie directement. Sur table. La maladie. Je t'ai rendu malade. Tu voudrais peut-être te faire examiner par un médecin. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Donc bon. Je vous revois dans pas trop longtemps. Je vais remonter exactement où j'étais en haut complètement. Parce qu'il restait un endroit qu'on pouvait quand même voir. Donc on se retourne en parlant. Ok. On est de retour exactement où je voulais être. Parce que ça va être sûrement lequel, l'ermite. Toujours pas. Je vais juste trouver Ilou, l'ermite. Il est sûrement quelque part, mais de toute façon, on a reçu la maladie. La maladie va sûrement, le médecin va nous donner un bonbon, parce qu'il va nous avoir... Oh. Il va nous avoir guéri. Donc, au pire des pires, c'est peut-être lui, l'ermite. Hein. Peut-être que l'ermite dans la tour, c'est exactement lui avec les dépouilles. Hein. C'est peut-être clairement ça, mais bon, je vais quand même faire ce truc pour avoir... Ok, mais... Ouh. Chaud, il s'est placé à la fin. Hein. Le dernier, pour vraiment que tu fasses sur... Pour remonter quoi. Tout était prévu, hein, monsieur. Je vais juste voir si un autre truc caché peut-être en haut. Mais sait-on jamais, hein, quand même, dans le jeu, hein. Faut toujours tout regarder.
Juste... Non. Oh, petit singe. Arrête de sauter dans les arbres en mode... Oh là 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 là. Non. Oh là 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 là. Bon, ok, ça n'a pas trop fonctionné encore une fois. Bon, ça, je l'ai fait. Ça, oui, ça, c'était fait. Donc, ça, on peut démolir les statues, mais ça ne mène strictement à rien. Et là, ici... Ici, on peut s'agripper. Avec l'araignée. Voilà. Mad Bob, t'es trop fort au jeu vidéo. J'ai envie de te faire des enfants tellement que t'es fort et t'as des astuces de pro. Oui. Réceptacle de cœur. Nice. Je savais qu'il y avait comme un truc en haut, c'était comme écrit dans le ciel. C'était littéralement écrit dans le ciel. Il était marqué comme porte-cœur en haut de cette tour se trouvera la vie éternelle. C'était écrit vraiment dans le livre, je vous dis, c'était exactement écrit comme ça. Donc il nous manque juste une âme qu'on n'a pas trouvée. Une âme noyée qui allait sûrement cachée quelque part. Mais sinon, Tazeltown, on a tout fait. Je suis fier de moi, je suis fier de moi d'avoir tout trouvé. J'ai envie de me faire des enfants parfois. C'est des belles paroles que je vous dis, hein. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Tellement que ça vient du fond du cœur. Ouais. Je dis de la merde. Bref, on va aller voir le médecin, on va aller lui dire « Oh, coucou médecin, je suis malade. Que pouvez-vous faire pour moi ?» Je ne sais pas, hein, il va sûrement nous aider. Bonjour, quel est la, oui, oui, là, là, là. Vous n'avez pas l'air très bien. Est-ce que vous venez pour ça? Oui. Vous avez donné la maladie. Oh, tu te sens pas bien, depuis combien de temps? Je pense que c'est juste ce qu'il te faut. Ok, vous allez sentir un léger piqué, une léger piqûre, comme une vipère enfonçant ses crocs profondément dans votre gorge, je blague. Vous êtes déjà guéri juste comme ça, je prie que vous avez rien vu ni rien entendu, voilà. Sucette! Hii! Attends, on pourra faire ce qu'on veut avec la sucette, nice. C'est bon, c'est pour avoir été une bonne patiente. Revenez me voir dans 6 mois pour cet examen médical. Pas de snack la veille le soir, pas même de l'eau. Vous pouvez trouver la sortie en passant à travers cette porte. Merci, monsieur. Je pense que vous êtes là parce que... Je pense que j'étais perdu. Je pense qu'il était là pour me dire genre « Oh là là, mais Mad Bob, fais attention à ce que tu fais. Oh là 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 là. » Oui, une chance qu'il était là, le docteur. Je me souviens en plus quand j'étais plus jeune, quand que c'était surtout chez le dentiste. Chez le dentiste, dès que tu finissais d'être chez le dentiste et tout ça, il te donnait une sucette ou il te donnait un bonbon, puis il te donnait genre plein de trucs. Mais après, il disait « Je te donne un bonbon, mais n'oublie pas que tu dois toujours te brosser. » Tu sais, il y avait comme le petit speech qui s'en venait genre pour aucune raison et tu disais « Ouais, au final, ça sert vraiment à quelque chose ou non, mais pas vraiment. » Au final, tu disais « À quoi que ça va me servir ?» Et je me dis encore la même chose aujourd'hui. Hein. Je vous dis, ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Hein. Je le pense autant, autant qu'avant. Hein. Quelle est l'utilité vraiment de donner des gâteries ou n'importe quoi à un enfant? Il n'y en a aucune. Donc, on va essayer de se rendre à plusieurs endroits. Parce que là maintenant, on a l'araignée. Avec l'araignée, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Danser, chanter. Non, peut-être pas danser, chanter, mais on va pouvoir faire quand même des choses. Vous allez voir quoi, hein, parce que je vous dis, il y en a plein partout, des trucs cachés. Alors, on va aller tout de suite voir la magie noire, magie blanche, cristal, sorcier, tout ça ensemble. On va aller lui donner la sucette. Attends une seconde, je croyais que tu n'avais pas de bonbons. Et maintenant, t'en as? Eh oui, je lui donne la sucette, monsieur. Waouh, je veux dire, waouh, un bonbon qui vient de nulle part. Toi, mon ami, tu es un vrai sorcier, voilà, pour toi. Ok, c'est bon. On a le cristal blanc, mais on peut tout faire dans la vie, je me sens tellement cool. C'est un cristal blanc fait à partir de poussière d'étoiles. Je ne sais pas le texte, le trophée est obtenu. Les sorciers doivent avoir un cristal, n'est-ce pas? Et j'ai pas raison, réponds-moi. Je blague. Ça va, tu peux le garder. Ouais, c'est ça, casse-toi, hein, ça sert à rien. Donc, on va faire ce que je voulais faire depuis le début. Oui. Il y a quand même un emplacement. Je suis pas allé. Et vous allez voir qu'avec le petit singe, on peut sauter comme un con. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Ouais, je vais essayer de monter encore. Nice. Hop, 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 hop. Je dois juste pas tomber dans le vide. C'est exactement ici. Ici qu'on va servir de l'araignée pour monter tranquillement, pas vite. Oh, merci. Tati 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 tatou. Tap. Tadam.
On peut pas. On peut pas comme tomber. Juste faire. Il y a pas une façon. Ah, c'est sûr et certain que c'est avec l'araignée, hein. Je vois tellement pas d'autre façon. C'est sûr et certain que c'est avec l'araignée. Pourquoi ça bloque? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Peut-être qu'on peut pas rentrer finalement. Je le garde en note quand même. Je garde en note cet endroit. On va aller porter le cristal blanc. C'est notre première mission de toute façon de base. Je garde dans ma tête très profondément, très loin. On peut se rendre à cet endroit exactement. Et là j'ai une petite couette qui m'énerve. Elle est comme ici, elle est partie. Wow. Non, elle est encore là, mais c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas l'importance de cette vidéo de toute façon. Hein. Donc, on va juste aller acheter des items parce qu'on va aller dans le magasin. On peut peut-être de toute façon des fois avoir quelque chose d'intéressant. Ça m'intéresse. Ah, j'ai pas assez de gemmes. T'es un petit peu con, hein. Bah oui, hein, je sais. Augmente les dégâts, c'est toujours mieux. Je vous dis, de toute façon, l'importance même, c'est augmenter les dégâts. Le reste, on s'en fout un petit peu. On va retourner dans l'atelier. Pour aller voir, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ce cristal et tout ça. Tiens, moi, au courant, si tu trouves ces cristals blancs. Tu as trouvé un cristal blanc? Ben oui, c'est pour moi, n'est-ce pas? Oui, 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 monsieur, ton nom, mon oncle, j'ai donné le cristal. Il se met juste au-dessus du cristal blanc, juste au-dessus. Et là, hop! Voilà! Merveilleux, il me manque plus que ce morceau, mon oncle. Ouais, nous sommes presque au bout. Oh mon dieu, ça me fait penser qu'il faut que j'y aille. Après tout, il faut bien profiter de la vie tant qu'on peut. Voici, pourquoi tu dis toujours ça? Hein? Tu m'as pas entendu. À propos de la fin du monde. L'hypno-baron a fait mener une créature d'une horreur innommable. Je vais m'amuser autant que possible avant que la bête entame sa destruction totale de la fin du monde. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est évident, hein. En fait, je pourrais l'utiliser à l'ascenseur. Je vais demander à la tête de plume de m'amener au château d'Hypton Baron. Peut-être que je peux avoir un siège au premier rang. Voilà une carte si vous voulez venir. Yeah. Allons aux plantes du château d'Hypno. Ben oui, on va y aller. A plus. Ciao, ciao. Il n'y a aucune chance que je reste inactif et que je laisse Hypton Baron parvenir une bête énorme. Encore une fois, mon oncle. Encore une dernière fois, mon oncle. Ensuite, je te promets de venir terminer ta machine. Soupir. Tellement de distractions aujourd'hui pour moi, seulement d'être prudente. Je le sais, mon oncle. Comme d'hab. Don't worry. Be happy. Et enfin, on va avoir une nouvelle destination. Hein. Sly, laisse-moi deviner. Tu veux que je t'emmène au château d'Hypno Baron? Comment tu sais? Ton ami de circonstance vient juste d'essayer de se faire déposer là-bas. Oh. Elle va t'emmener directement dans... sans problème. Je dois arrêter. Classique, ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Es-tu prête à décoller? Mais oui, toujours prête. De toute façon, le faucon, il est beaucoup trop cool pour la vie. Hein. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Okay. Oh, ça va quand même assez loin, le château d'Hypton Baron. Ah, il y a juste deux trucs, c'est tout. Et Hypno n'a même pas une lettre majuscule. Hein. Dans tous les textes, il y en a une, mais genre quand c'est le niveau en tant que tel, c'est pas grave. Lettre majuscule, c'est pas important.